Good morning, allez Yiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat, Moriv Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, Rosette Zohara bat Zulana, ainsi que l'autre fois Sarah bat Betty Rivka, et Raphaël Zevulun bat Chaya ben Chaya Malia bat Orchechol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah contre les 5 minutes éternelles, nous étudions le Sarah Mandachot, Perikul Gimel, Mishnah Hei. Arei alay yain lo ifchot mishlosha lugim. Shemen lo ifchot milog. Rabbi Omer, Shlosha Lugin. Perashti ve'eno yodea ma perashti, yavi ke yom hamerube. On continue dans notre Mishnah à préciser les quantités requises lorsque l'on fait le vœu d'apporter une offrande au Beth Amigdash sans préciser la quantité. Selon la règle qu'on apprend dans le début du chapitre, on inclut la quantité minimale exprimée par ta parole. Donc en l'occurrence, lorsque tu vas vouloir faire un don justement de vin, comme ce qu'on va parler, tu vas vouloir faire un don, une oblation de vin, et bien dans ce cas-là, on va aller chercher dans la Torah. Quand la Torah me dit d'apporter une oblation de vin, quelle est l'offrande la plus petite de vin à offrir? Quelle sera la quantité? Et dans ce cas-là, je vais dire, écoute, dans la mesure où tu n'as pas précisé quelle quantité, quand tu as dit que tu allais faire un don de vin, tu as exprimé au minimum cette quantité, donc tu devras apporter cela. D'accord? En l'occurrence, pour les oblations, alors, c'est ce qu'on lit dans la lecture de Rosh Chodesh et dans le Moussaf de Rosh Chodesh. Veniskehem, Chatsi Haïn Yalapar, Ushlishit Haïn La'il, Urvit Haïn La'il. La Keves, je sais plus, ça m'embrouille un peu. C'est pas grave, en tout cas, la Torah m'a donné trois, elle a parlé selon les espèces d'animaux qu'on va apporter, si c'est un corban Ola, par exemple. Alors, la Torah m'a dit, écoute, si c'est un par, un taureau, gros bétail, t'apportes une grosse oblation. Tu vas apporter un chatsi ha-hin, un demi-hin. Un hin, c'est 12 logs. Donc chatsi ha-hin, la moitié de 12, ça fait 6 logs. 6 logs de 20, avec en plus de ça, une mincha qui va avoir 3 isaron, et dedans aussi de nouveau, 6 logs d'huile. L'huile et le vin, ils seront en parallèle dans les minchat nesachim, dans les oblations qu'on doit apporter en plus du korban. On expliquera ensuite dans la deuxième partie de la Mishnah. Plus on rentrera dans les détails. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire comme ça. La Torah m'a donné trois par rapport au hin, la Torah m'a dit la moitié, le tiers et le quart. Pour le taureau, le bélier et le mouton, le petit. D'accord? Donc si on calcule en hin, ça va nous faire 6, 4, 3. Donc pour le taureau, 6 logs. Pour le bélier, 4 logs. Et pour le mouton, 3 logs. D'accord? Pour le moment, on parle du vin. Et tout de suite après dans le Mishnah, on va parler de l'huile. Donc, tu as dit que tu allais faire un don de vin, tu apportes le minimum, tu vas chercher dans les barèmes explicités dans la Torah, tu vas voir que là-bas, le minimum de vin qu'on apporte en oblation, c'est d'apporter 3 logs, donc tu apporteras 3 logs. Ok? Un log, pour mieux comprendre de quoi on parle, pour rappel, on s'appelle bien du esclave goudo. Esclave goudo. Aleph, Samer, Kouf, Lamed, Bet, Eifa, Sea, Kav, Log, Beitza, donc c'est les deux derniers qui nous intéressent. Log Beitza et les coefficients entre ces goudo 3, 6, 4, 6. Donc un log fait 6 Beitza. Vous prenez 6 œufs. Un œuf dans la halakha, on considère que ça fait 54 cm3. 54 millilitres. D'accord? Donc vous prenez 6 œufs, ça va vous faire 324. 324, c'est à peu près l'équivalent d'une canette de coca. D'accord? Une canette de 330 ml, ça fait un tout petit peu moins, c'est un log. Donc un log, ça veut dire, en fait, ça va faire le 3 logs, ça va faire l'équivalent de presque un litre, en fait. D'accord? Un tout petit peu moins. Donc, encore une fois, Areala Yain, celui qui fait un don d'apporter, un vœu d'apporter du vin, il devra ne pas apporter moins, il ne pourra pas apporter moins que 3 logs. C'est la quantité minimale. Shemen, il fait un don d'apporter de l'huile. Alors là, on a une discussion. Loifrot mi log, il n'apportera pas moins que 1 log. Et Rabbi Omer, Shlosha Login. Et Rabbi nous dit non, 3 logs. Et la question, en fait, pour comprendre leur discussion, il faut partir voir qu'est-ce qui se passe dans les Menachot. Baruch HaShem, on est au 13e Perek de Menachot, le dernier Perek. On a déjà bien compris qu'il y a deux types d'oblations de blé que l'on va apporter. D'abord, premièrement, en théorie, lorsqu'on apporte une mincha, on n'apporte pas de l'huile à part. On mélange l'huile à l'intérieur de la semoule. Mais il y a une différence entre une mincha qu'on apporte où on va prélever le kometz et on va donner le reste à manger au kohanim, une minchat nedava, ce qui s'appelle, à la différence d'une minchat nesachim. Une minchat nesachim, c'est les fameuses
oblation que l'on doit apporter en plus du korban. D'accord ? En plus du korban, il faut apporter une oblation de vin et une oblation aussi de semoule mélangée avec de l'huile. Et là, on a des quantités d'huile différentes. Lorsqu'on apporte un don qu'on va mélanger et on va faire des petits pains et on va en donner un petit peu sur le misbeh, donner à manger au kohanim, alors là, le rapport est bête. On va apporter 3, pour un issaron, on va apporter un log. Un issaron, un log. Tandis que si on va apporter, par exemple, un mouton en hola, et qu'on va devoir apporter aussi minchat nesachim, là, il va falloir mettre 3 logs pour un issaron. Donc là, on se retrouve qu'en fait, on a par rapport à la quantité minimale d'oblation de 1 issaron, une quantité de pâte de farine de semoule de 1 kg 660, on va se retrouver avec deux cas de figure. Si je fais une minchat nesachim, une minchat nedava d'abord, une mincha qu'on va prélever un petit peu, on va donner un échantillon de mitzvah, on va donner le récemment je koanim, là tu dois mettre un seul log. Mais si tu vas faire un don que tu offres entièrement au misbeach, alors là, tu vas devoir mettre 3 logs. Et c'est sur ça qu'ils discutent exactement. Selon Tanakama, le premier avis de la Mishnah, il me dit d'apporter un log. Parce que quand tu regardes dans tous les barèmes, le minimum d'huile à mélanger dans ta mincha, ça va être un log. Donc quand tu décides de faire un don de un log tout seul, sans mélanger à de l'huile, sans mélanger à la semoule, tu devras apporter un log. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Mais Rabbi, il a un regard un petit peu plus piquant sur la scène. Et il dit non. Il faut que tu regardes qu'est-ce qui se passe lorsque tu vas faire un don qui va être entièrement brûlé ou offert au misbéach, pas qui va être consommé par les kohanim. En l'occurrence, ce qui est donné parmi les offrandes qui sont entièrement offertes au misbéach, donc le plus petit, ça va être celle du keves, du mouton, et là-bas, on va te demander de mélanger 3 logs. De ce fait, tu te demandes d'apporter 3 logs, d'accord? Ensuite, troisième partie de la Mishnah maintenant, elle me dit « Perashti ve'enoy ve'ni yodama perashti ». J'ai explicité, mais je ne me souviens plus combien j'ai explicité, notion qu'on a vue dans toutes les missions précédentes. Quelqu'un qui nous dit, j'ai fait un don, j'avais promis que j'allais apporter une quantité de vin ou d'huile, mais je ne sais plus combien. Qu'est-ce que je dois faire, docteur? Alors, la Mishnah m'enseigne, perashti ve'eni yodam a perashti. J'ai explicité, mais je ne sais pas combien j'ai explicité. Yavi keyom ha-merubé. Il devra apporter comme le jour où on apporte le plus d'oblation de vin ou d'huile, ou d'huile de semoule, de l'année. Vous allez prendre dans le calendrier, vous allez chercher, vous savez bien qu'il y a des jours particuliers sur Terre. Dans le calendrier, il y a tout d'abord chaque jour, on apportait le Korban Tamid Shel Shachar, Tamid Shel Ben Arbaim, un Tamid le matin, un Tamid de l'après-midi. Lorsqu'on apporte le Tamid, là-bas, c'est un mouton, tu dois apporter 3 logs de vin, 3 logs d'huile mélangée. Maintenant, et des fois, c'est Shabbat. Et si c'est Shabbat, tu dois apporter en plus ça. En plus, tu dois porter aussi 2 nouveaux moutons. Donc, ça va te faire 4 moutons. 4 moutons, donc 4 fois 3, 12, déjà 12 logs. Mais il y a même plus compliqué que ça. On va chercher parmi les jours de fête. Alors, les jours de fête, c'est assez spécial. Parce que pour la plupart des fêtes, la Torah elle me dit toujours en général d'apporter 1 ou 2 taureaux, 1 haïl et 7 moutons en général. À une exception près, à Soukhot. Si vous faites attention, quand on lit la lecture de Soukhot, eh ben on remarque que la Torah elle a imposé d'apporter beaucoup plus de moutons. Il y a tout d'abord, il faut apporter plein de taureaux. On commence premier jour 13, et ça va en diminuant, 13, 12, 11, 19, 8 têtes, jusqu'au 7e jour de Soukhot, le dernier jour de Soukhot, on va en diminuant, ça fait en tout 70 taureaux. À part ça, et tous les jours, 14 kvasim, 14 14 kvasim, 14 moutons en plus. Et en plus de ça, il y a même 2 élim et un saïr en plus à qui est khatat. Donc pour le saïr khatat, il n'y a pas d'oblation. Mais pour chacun, on a dit 13 moutons, 13 taureaux. 13 taureaux, pour chaque taureau, on a dit 6 logs. Donc 13 fois 6, ça va vous faire 78. Je l'ai écrit. D'accord, j'ai écrit sur un gmara en fait. Une fois que j'ai fini d'écrire, j'ai vu que le tosotiopno faisait le calcul. Mais c'est pas grave. J'ai fait le calcul qui est écrit dans le deuxième tome, c'est très bien. J'ai vu juste, j'ai bien calculé, donc je sais bien compter. Donc, Deavu, Shlosha, Asar, Parim, 13 taureaux, chaque taureau 6, donc 13 fois 6, 78. Mettez ça de côté, on continue au suivant. 14 moutons, pour chaque 14 moutons, plus encore 4 moutons supplémentaires. C'est-à-dire, quand le premier jour de Soukhot tombe un Shabbat, alors tu dois porter les 14 moutons de Soukhot. Et les 2 moutons, parce que tous les jours, tu apportes 2 moutons, Korban Tamid. Et à part ça, les 2 moutons de Shabbat. Donc tu te retrouves avec 18 moutons,
De nouveau, 18 fois 3, ça fait en fait 14 fois 3, ça fait 42, et 4 fois 3, ça fait 12. Donc en tout, 54, 78 et 54 pour le moment. Après, on continue. Je t'ai demandé aussi d'apporter 2 élim. Pour chaque aïl, tu apportes 4. Donc ça va nous faire 8 supplémentaires. Alors faites maintenant 78, 54 et 8. Je pense que j'ai pas oublié. J'ai rien oublié. Et donc ça va vous faire l'équivalent de ce que nous dit le Barthénois, 140 log. Donc tu sais pas combien tu as précisé. On va chercher dans le calendrier le jour où on apporte le plus d'offrandes publiques. Et là, on va prendre les oblations de ce jour-là. Ça va te faire 140 log. Tu dois apporter 140 si tu te souviens pas. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une répète de Hatzlacha. Kol tov, c'est là.